S'il s'agit de la fête de Eid al-Adha, c'est après l'accomplissement du pèlerinage aussi, c'est un des cinq piliers de l'islam. Il faut avoir le salaire, comme on dit, les ajours. C'est la joie. On a accompli le jeûne. Aujourd'hui, on a accompli le pèlerinage. Le jour de la fête, chaque musulman qui a les moyens va sacrifier, va faire le sacrifice qui est appelé Al-Udhiya. Et celui qui est à la Mecque, un pèlerin, va faire le Al-Hadi. Là, on appelle le Hadi, mais celui qui n'a pas la chance de partir au pèlerin, il va sacrifier un mouton ou un bœuf ou un chameau. Mais ce qui est préféré, ce sont les moutons. Pour les moutons, on exige une bête âgée à une année environ. Ça, c'est pour les moutons. Pour l'espèce coprine, une année révolue. Pour les bovins, 2 ans révolus. Pour les chameaux, 4 ans révolus. Et la bête doit être valide et saine.